840 000 enseignants ont fait leur rentrée dans les établissements publics et privés. 80% des Français ont une image positive des enseignants. 4341 postes de professeurs ont été créés cette année dans l'enseignement primaire et secondaire public. Enseigner, c'est transmettre des connaissances et donner l'envie à des élèves d'apprendre. Chaque année, des milliers de candidats passent les différents concours, espérant un jour devenir professeur. Quel est leur profil? Quelles sont leurs motivations? Entre attente, angoisse, espoir et travail, rencontre avec trois professeurs qui vont effectuer leur première rentrée des classes. Les candidats ne peuvent avoir aucune communication. Charles-Édouard, 26 ans. Originaire de Troyes, il s'installe à Paris il y a 2 ans pour terminer ses études de sciences humaines. Il s'apprête aujourd'hui à devenir professeur stagiaire d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Il partagera son temps entre sa formation au métier de prof et la pratique de l'enseignement. Pour sa première rentrée, Charles-Édouard réussira-t-il à s'imposer au collège? Cette première heure, en général, est déterminante sur tout le reste de l'année parce que c'est la première prise de contact avec les élèves qu'on va côtoyer quand même pendant plusieurs mois. Donc c'est à la fois un test de moi vis-à-vis d'eux, mais aussi un test personnel, en disant comment je devrais être avec eux toute l'année. Noéline, 26 ans. Cette jeune Bretonne enseigne dans le primaire depuis 2 ans. Il y a quelques mois, elle s'est lancée un nouveau défi, devenir directrice. Aujourd'hui, Noéline s'apprête à prendre la direction d'une petite école privée et catholique. Pour sa première rentrée de directrice, comment Noéline parviendra-t-elle à organiser son temps entre démarches administratives et pratiques de l'enseignement? Il y a toujours un peu d'appréhension à chaque rentrée déjà en tant qu'enseignante, parce que surtout quand on ne connaît pas les élèves, et jusque-là, moi j'ai changé d'école tous les ans, et puis il y a la première appréhension en tant que directrice aussi. Antoine, 37 ans. Après une première carrière dans le monde de la finance, Antoine décide de quitter les salles de marché londoniennes pour devenir professeur des écoles. Son concours en poche et une année de stage plus tard, il est titularisé à Paris dans une école primaire. Pour sa première rentrée, comment Antoine va-t-il gérer sa rencontre avec sa classe de CE1? Le matin même, on sent le trac qui monte, comme quand on rentre sur scène finalement. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ce métier a un côté théâtral et c'est très vrai. Charles-Édouard est professeur stagiaire d'histoire-géographie. À quelques jours de la rentrée des classes, il se rend pour la première fois dans son futur collège. On va à Pierrefitte-sur-Seine, donc c'est le lieu de mon établissement, l'établissement Pablo Neruda. Il est prévu que tous les stagiaires rencontrent leur chef d'établissement avant la pré-rentrée. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est pour ça que je suis assez impatient d'arriver. Pour sa première année de professeur stagiaire, Charles-Édouard est affecté au collège Pablo Neruda, un établissement classé en zone d'éducation prioritaire. Ça va être le lieu qui symbolise le changement de statut, le changement de vie en fait, le lieu de travail où je passerai la moitié de mon emploi du temps à partir de la rentrée. Excusez-moi, je cherche le bureau du chef d'établissement. Alors, vous prenez les escaliers à droite. Oui. Vous passez sur la deuxième passerelle. D'accord. Fond, et c'est au fond du couloir à droite. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, madame. Vous êtes monsieur? Monsieur Larraqui. Entrez, installez-vous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Installez-vous, je vous en prie. Vous êtes professeur d'histoire-géographie? Oui. 9h chez nous? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Bienvenue. Merci. Cette année, 3 professeurs stagiaires intègrent l'équipe du collège Pablo Neruda. Madame Gobetti, la principale de l'établissement, tient à les accueillir personnellement afin de mieux les connaître.
Vous avez eu quoi comme formation à l'université? Vous venez de quelle région, pour que je puisse un peu vous connaître? Alors, j'ai fait ma licence à Troyes. Oui. Ensuite, je me suis retrouvé à Paris pour le master, donc master recherche, hein, M1, M2. Et ensuite, j'ai passé les concours et j'ai eu le CAPES à Paris. Très bien. Vous avez déjà jamais enseigné, si vous êtes... J'ai fait deux stages au cours de ma formation, en fait, hein, pour passer le CAPES. Collège, au lycée? Les deux. D'accord. En Bretagne, au siège de la direction de l'enseignement catholique de Saint-Brieuc, c'est jour de formation pour Noéline. Objectif, apprendre le métier de directeur. La dizaine de professeurs présents commence la journée par une rencontre avec le personnel administratif du diocèse. Donc le bureau de Marie-Reine Caro et d'Agnès Le Breton. Marie-Reine, vous allez la voir au téléphone souvent. Donc Marie-Reine Caro, qui en charge énormément le dossier de l'emploi, gestion de l'emploi, en partie carte scolaire et bien d'autres choses. Donc voilà, on est un peu dans la tour de contrôle un petit peu de... aussi sur l'emploi en tout cas. On est dans la tour de contrôle un peu sur l'emploi des Côtes d'Armor pour le privé. C'est bien de savoir quel est le rôle de chacun et sur qui on va pouvoir s'appuyer si on a quelque chose, un problème. On se sent moins seul, du coup? Oui, ah oui, ouais, on se sent plus appuyé. Voilà, bienvenue à tous. À toutes. Un monsieur parmi nous, le chanceux. Vous avez la carte des établissements en Côte d'Armor, de l'enseignement catholique. Et voilà, je vais vous laisser un petit peu parler, vous présenter. Donc, Noéline Hervé, moi, ça va être ma troisième année d'enseignement. Donc, j'arrive de l'Ille-et-Vilaine, puisque j'étais à Rennes et à Soujals, pas très loin de Pontorson. Et donc, je prends la direction de Saint-Brandan, qui est une école de trois classes, avec... 79 élèves de prévu. En plus de sa nouvelle charge de directrice, Noéline enseignera dans une classe multiniveau de CE2, CM1 et CM2. Les journées risquent d'être longues. Alors, vos premières impressions? Alors, j'ai mis quelqu'un, voilà, qui s'écroulait devant son ordinateur. C'est pas pour donner une image négative des choses, mais c'est peut-être l'impression que vous allez avoir avant d'arriver dans l'école, de dire comment vais-je surmonter l'ensemble? Comment m'attaquer à la tâche qui me paraît énorme. Voilà. L'important aujourd'hui, c'est d'y aller avec beaucoup de discernement, avec le moins de pression possible. Lors de ces journées de formation, les futurs directeurs prennent conscience de leurs droits et de leurs devoirs, ainsi que des règles et consignes de sécurité à respecter. Dans le privé, le chef d'établissement organise également la formation religieuse. Plus de responsabilités et plus proche de chez elle, Noéline est enthousiaste à l'idée d'effectuer sa rentrée dans l'école Sainte-Anne. J'avais envie de m'investir encore plus pour un établissement, parce que quand on est directeur, on s'investit encore plus. Et puis là, ça va être possible, puisque je serai tout près de chez moi, contrairement à avant, donc je pourrais vraiment m'investir plus pour mon école. Il y a 4 ans, Antoine et sa famille décident de quitter leur ville londonienne. Direction Paris et le 18e arrondissement. Loin de l'ambiance trépidante des gratte-ciels de la City, ils s'installent au pied du Sacré-Cœur dans un quartier plutôt bohème. Antoine laisse derrière lui le monde de la finance à 1000 lieues de celui de l'éducation nationale. Merci. J'ai travaillé dans la City, j'étais principalement tourné vers une notion de performance finalement, de mesure, qui était la mesure de l'argent, et où il fallait sur une période donnée être performant et rapporter de l'argent, beaucoup d'argent, pour ma société. Avec ma femme, quand notre première fille est née, on a décidé de rentrer à Paris pour être plus proche de la famille et des amis aussi. Mais à Paris, j'ai pas retrouvé cette ambiance-là. J'ai beaucoup moins aimé ce que je faisais et j'ai commencé à me poser des questions. Au bout d'un certain temps de réflexion, même si j'ai eu du mal parce que la perspective de salaire, pour le coup, elle était beaucoup moins intéressante, j'ai fini par me dire que ce qui pourrait me plaire dans la vie, c'est ce qui aussi avait plu à mes parents et qui répondait aux valeurs dans lesquelles j'avais été éduqué finalement, quoi. Et donc pourquoi pas moi aussi me tourner vers l'enseignement.
Pour exercer le métier de professeur, Antoine a dû suivre un an de formation et réussir le concours de professeur des écoles. Il a aussi sacrifié certains avantages de sa vie passée. Retour à Pierrefitte-sur-Seine. Madame Gobetti, la principale de l'établissement, tient à expliquer à Charles-Édouard le profil des élèves qu'il aura face à lui en tant que professeur stagiaire. Certains élèves ont des situations de vie difficiles. Mmh. Des enfants placés aussi, on accueille beaucoup d'enfants placés dans des familles d'accueil, donc c'est compliqué pour eux. Donc quelquefois, il faut se mettre à leur place, mais il faut quand même être exigeant. Parce que ces enfants, il faut qu'ils aient le brevet des collèges, il faut qu'ils poursuivent des études. Bon, alors, dans quel état d'esprit êtes-vous Impatient. Impatient, vous n'avez pas été tout inquiet à l'idée d'apprendre que vous étiez nommé dans l'Académie de Créteil cette année? Non, pas du tout. Tout le monde est inquiet, sauf moi. Non. Le collège Pablo Neruda est un établissement difficile. Peu de professeurs décident d'eux-mêmes de venir enseigner en zone d'éducation prioritaire. On devient un bon professeur au bout de 5 ans. C'est ce que je dis à tout le monde. Ah bon? Oui, parce qu'au début, on tâtonne, on fait des erreurs, et au bout de 5 ans, on est rodé. D'accord. Voilà. Mais écoutez, bienvenue, puis on va aller vers mon adjointe. Venez avec moi, c'est pas très loin. On va faire le tour. Nicole? Oui. Je te présente Monsieur Larraqui, le professeur stagiaire d'histoire-géographie. Bonjour madame. Stagiaire. Bienvenue dans notre collège. Merci. Monsieur. Nicole Darquier est principale adjointe. Elle s'occupe notamment de mettre en place et de gérer les emplois du temps de toutes les classes. Vous allez avoir deux classes de sixième, une classe de sixième bilingue, c'est-à-dire qui font à la fois dès la sixième anglais et allemand. L'autre n'a pas d'option particulière. Oui. Hein, et une classe de quatrième bilingue également. Sachez que vous ne serez jamais isolé dans votre classe. On est là tous pour vous accompagner, pour que les choses se passent très bien pour vous. Ben merci beaucoup. Allez, monsieur Larraqui, donc je vous dis à lundi. À lundi, merci je beaucoup. Je vous raccompagne. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans quelques jours, pour Charles-Édouard, ce sera la pré-rentrée. Ce moment tant attendu où il rencontrera ses futurs collègues. Mamers, dans la Sarthe, petite ville de 5000 habitants. C'est ici qu'a grandi Antoine, loin de la city et des gratte-ciel londoniens. Avec son père Jean-François, ils se rendent à l'école primaire. À la retraite depuis 4 ans, Jean-François se souvient avec une certaine nostalgie du temps passé dans cette école. Là, on est juste devant le portail de l'école Paul Fort, ancienne école de filles qui est devenue forcément mixte, et où je suis arrivé en 83. Quand je suis arrivé, j'ai donc pris cette classe-là, qui est maintenant sert de bureau de directeur. Après, j'ai été installé dans une classe en haut là-bas. Et quand je suis passé directeur, on a installé le bureau ici, donc j'étais ici, dans le bureau. À l'époque, c'était Madame Plantive dans celle-là. Voilà. Jean, ici, là où il y avait René. Antoine a lui aussi fréquenté cette école, ouais, mais en tant qu'élève. J'ai passé 5 ans ici, tout le long de la primaire. Donc j'ai visité un peu toutes les classes, tous les étages. Et j'en garde plein de bons souvenirs. La cour me paraît maintenant toute petite par rapport à l'époque, mais ça n'a pas tant changé que ça. À quelques jours de sa première rentrée des classes, Antoine est venu se ressourcer auprès des siens. Pour l'occasion, son grand-père Gilbert, instituteur à la retraite, a fait le déplacement avec quelques photos, histoire de se replonger dans les souvenirs. Cette photo-là date de 1914 ou 15. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit? L'école de filles de Mauve, avec ici mon arrière-grand-mère, et donc l'institutrice, mon arrière-arrière-grand-mère. Quelque part, oui. Enfin, j'ai en tout cas un peu l'impression de reprendre l'héritage familial. Oui, j'ai baigné là-dedans, c'est sûr. Mais ma première réaction, adolescent, enfin, ou en fin d'adolescence, c'était surtout de faire autre chose. Et puis finalement, voilà, on vient aux sources, on vient aux valeurs familiales, en tout cas. Car chez les Guérin, l'enseignement, c'est une histoire de famille. Et qu'importe la génération. Dans un petit village, on était un peu tout. Je vous disais, on était secrétaire de mairie. Mais il fallait aussi animer le pays, alors il fallait faire du théâtre.
des danses folkloriques, des balles, ainsi de suite. Enfin, c'était un peu tout. Dans le milieu rural et à cette époque-là, je pense que l'instituteur était quand même quelqu'un qui imposait une sorte de respect naturel et qui jouissait d'un certain statut, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident, surtout à Paris, par exemple. Ouais, parce que je pense qu'il y a quand même des constantes qui restent, entre autres le social. T'es toujours obligé d'écouter les gens, on est toujours là pour eux. Et ça, c'est une constante. On ne peut pas oublier qu'on est pour les parents, on représente pratiquement... on représentait, ça a peut-être diminué, mais quelqu'un de la famille. Brandon. À seulement 26 ans, Noéline s'apprête à diriger l'école primaire Sainte-Anne. La jeune femme rencontre Karine, qui a dirigé l'établissement pendant 8 ans. L'occasion pour Noéline de découvrir ses nouveaux outils de travail et de glaner quelques conseils. Il n'y a pas un PC professionnel, tu disais non. Ça ? Non. Ici, il est bien, hein, remarque, mais il n'est pas portable. Voilà, tu peux pas le ramener chez toi. Tu peux pas. J'avais demandé à l'OGEC un ordi portable perso, mais c'était pas encore dans le... Oui, voilà. Oui. Mais ça va peut-être venir parce qu'on en a quand même pas mal maintenant. Je t'ai commandé un calendrier comme ça, je crois que je t'avais dit. Oui, tu m'en avais parlé. Donc généralement, je le mettais là et puis chacune mettait ses sorties dessus, comme ça tu savais ce qu'il y avait. Tu verras, Noéline, je vais oublier plein de choses. À la rentrée, tu me mails, tu m'as pas dit ça. Non, mais sans... Voilà. Moi, j'ai ma façon de ranger les docs et puis tu changeras. Tant mieux, parce qu'il faut du temps. Il faut que tu tapes. Ah, moi, j'avais mis 2 ans. Hein. Quand je suis arrivée en 2006, à partir de 2008, ça y est, j'avais fait mon organisation. En plus de son travail de directrice dans cette école de 79 élèves, Noéline aura la charge d'une classe multiniveau. Elle profite de sa venue pour découvrir sa future salle de classe. Bah, c'est une grande classe, je trouve. Il peut y avoir des toutes petites classes parfois, là, ça reste une grande classe. Et puis on a un beau mobilier quand même pour les enfants. Là, donc... Une dernière fois, Karine range sa classe. Alors que Noéline s'apprête à lui succéder, elle quitte définitivement l'école Sainte-Anne et la Bretagne. Karine fera sa prochaine rentrée de directrice sous le soleil d'Avignon. En plus des cours qu'ils donneront au collège 2 fois par semaine et pendant 1 an, les professeurs stagiaires de l'Académie de Créteil redeviennent des élèves. Pour Charles-Édouard et ses collègues d'Histoire-Géo, ce passage sur les bancs de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est obligatoire. Car enseigner, c'est aussi apprendre à être pédagogue. Pendant longtemps, on a pu, les enseignants ont pu, face au public scolaire qu'ils avaient, considérer que... L'essentiel, on va prendre l'histoire-géographie simplement, l'essentiel c'était de transmettre des connaissances, donc on transmettait des connaissances, les élèves apprenaient, et ensuite on leur demandait de restituer correctement, voire par cœur, les connaissances apprises, et puis voilà, très bien. Ça donne quoi ça comme représentation de l'histoire-géographie ? Oui, l'histoire-géographie c'est facile, il suffit d'apprendre par cœur. Vous aurez peut-être ce genre de remarque en réunion parents-professeurs. Ça pourra vous arriver, vous êtes là, vous êtes assis. Ah, vous recevez un parent ou les deux parents avec l'enfant. Vous êtes là sur le bulletin du premier trimestre, puis les parents regardent le bulletin. 8 de moyenne en histoire-géographie. 8 de moyenne en histoire-géographie, suffit d'apprendre par cœur. Puis se tourne vers vous avec un grand sourire, hein, vraiment, pour avoir votre appoint, votre approbation. Voilà. Mais là, vous voyez bien que nous sommes dans un autre modèle. Permettre aux élèves de s'approprier des connaissances et des capacités en les rendant acteurs de ce qui se passe en classe. Mais que se passe-t-il dans une classe de collège ? À 26 ans, Charles-Édouard doit quand même remonter une dizaine d'années en arrière pour se replonger dans sa mémoire de collégien. Le temps presse, car dans quelques jours, ses stagiaires se retrouveront face à leurs élèves. Pour Charles-Édouard, cette rencontre marquera l'aboutissement d'un long cheminement professionnel qui a pris racine au lycée.
C'était justement lors d'un cours d'histoire géo. J'étais en première ou en terminale. J'avais tendance à participer beaucoup. J'étais au fond de la salle, mais je levais la main tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai même contredit le professeur ce qu'il avait faux sur un fait historique. Et le professeur n'avait pas très bien pris. Il avait dit, si tu veux prendre ma place, fais-le tout de suite. Bon, j'ai pas eu le courage de le faire sur le coup, mais j'ai quand même tilté en me disant que c'était ce que j'allais faire de ma vie plus tard. Retour en Bretagne. Aujourd'hui, et pour la première fois, Noéline enfile son costume de chef d'établissement. C'est la première journée de préparation avec mes collègues. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de planifier un petit peu l'année. Comme c'est une petite école, on n'est que trois, bon, je ne serais pas trop impressionnée. Mais j'espère que ça se passera bien. À seulement 26 ans, Noéline va devoir cumuler sa fonction de directrice avec celle de professeur. Une charge de travail importante. Christine, je te mets un. Bien souvent, seuls les jeunes actifs comme elle acceptent ce type de poste. Okay. Bon, alors, hop, on va pouvoir commencer. Bon, vous serez indulgente, c'est la première pré-rentée que j'anime. Donc, je vais déjà vous donner quelques petites infos sur tout ce qui est ma rentrée de chef d'établissement. Voilà, donc après, on va aborder l'organisation pédagogique, le calendrier avec toutes les dates que j'ai à vous donner, le règlement de l'école, la bibliothèque, la piscine, les abonnements qu'on a pu avoir. Les points soulevés lors de cette réunion sont nombreux. De la date de la kermesse à la répartition des fournitures scolaires, tout y passe. Donc je n'ai pas le droit d'avoir une sucette ou du chewing-gum dans la bouche. Moi, je dirais même d'avoir une sucette et du chewing-gum à l'école, quoi. Ah oui. Même ah si oui, c'est dans oui. la poche. Ouais. Ouais. Pas, quoi. C'est où, ça? C'est je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de jouer avec mes billes ou... Mes cartes. Une fois que je suis rangée, je suis rangée et dans la classe. Je n'ai pas le droit de jouer au ballon dans la petite cour, sauf grande section, la récréation du midi. Non, c'était le matin. Et le dernier quart d'heure, généralement, le matin. En même temps, on n'a plus le droit à grand-chose dans les cours de récréation maintenant. Non, franchement, ils nous en ont parlé au début. Les buts de foot, il n'y a plus le droit. Est-ce qu'ils peuvent apporter leur corde à sauter de la maison? Comment vous faisiez, vous, les autres années? Ben, on les a laissés une année à porter, mais par contre, certains arrivaient avec des cordes à sauter avec des bouts en bois. Dangereux. Donc, dangereux. Ok. Je suis en régler. En cette fin du mois d'août, Paris baigne sous le soleil. Pourtant, pas le temps de lézarder à l'école primaire de la rue Hermel. Car aujourd'hui, Antoine prend possession de sa salle de classe de CE1. Après une année de formation et la réussite du concours de professeur des écoles. Première étape pour Antoine, la réorganisation de l'espace. Je replace les tables parce que la disposition en table alignée comme ça, c'est un petit peu froid, ça aide pas vraiment à la participation des élèves et comme ils font beaucoup de travail de groupe maintenant, c'est mieux qu'ils soient disposés par groupe de 4 ou de 3. Voilà, ça leur permet de participer et de s'échanger plus facilement les idées. Du coup, ils risquent pas de bavarder plus? Si, mais c'est pas grave. Hein, c'est des élèves de CE1 qui ont 7 ans, donc... Le bavardage n'est pas un problème à partir du moment où il concerne le sujet de la classe. Voilà. 4, 8, 12, 16, 20, 28. Très bien. Et en plus, ça me permet de me déplacer plus facilement dans la classe. J'ai un peu plus d'espace que comme c'était aligné avant. Combien à faire? 27. 27. Tu étais quel genre d'élève? J'étais un élève très, très attentionné, très, très concentré sur mon travail, sur, euh,
sur l'importance d'avoir la bonne réponse. Un petit peu trop pressé de la donner en CP. La grande lutte de mon institutrice, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait encore à l'époque, était de voilà, que je lève la main et qu'on m'interroge pour avoir le droit de répondre. J'étais un élève sérieux. Alors qu'il soit sérieux, rêveur ou chahuteur, dans quelques jours, ce sont les élèves d'Antoine qui, à leur tour, prendront possession de leur salle de classe. À travers la France, les professeurs ont repris le chemin de l'école. Dans quelques instants, Charles-Édouard, Noéline et Antoine vivront leur première rentrée. Ils découvriront enfin les élèves avec lesquels ils passeront toute l'année. Chaque année, dans toutes les écoles de France, après les grandes vacances, c'est l'effervescence. Demain, Noéline, Antoine et Charles-Édouard rencontreront leurs élèves. Mais aujourd'hui, l'heure est à la pré-rentrée entre professeurs. Bonjour à Noéline. Bonjour. À Pierrefitte-sur-Seine, c'est la pré-rentrée pour les 20 professeurs qui intègrent cette année le collège Pablo Neruda. Contractuels ou stagiaires, comme Charles-Édouard, ils se rencontrent tous pour la première fois. Pour madame la principale, c'est l'heure d'entrer en scène. Alors, qu'est-ce qui n'a pas eu le petit livret d'accueil ? Merci. Vous l'avez eu ? Vous l'avez eu ? Je voulais donner, je ne l'ai pas donné. À Pablo Neruda, le personnel administratif joue carte sur table. Et la principale se doit d'être honnête et claire envers ses futurs professeurs. Quand vous tapez, si vous l'avez sans doute fait d'ailleurs, collège Pablo Neruda, Pierrefitte, pouf, qu'est-ce que vous voyez ? Le principal adjoint s'est fait agresser dans le collège. Ou après, vous avez les fusillades, parce que quelquefois, il y a des coups de feu qu'on puisse échanger il y a 2 ans lors de la construction. Donc, vous voyez, vous avez un aspect négatif qui revient, alors que, vous voyez, nous, a priori, nous en avons pas l'air traumatisés. Donc, vous voyez, histoire mouvementée au collège, histoire mouvementée parce que le collège a 20 ans, même 21 ans maintenant. Il a été construit sur la base d'un terrain de jeu des enfants de la cité. C'était avant un terrain vague. Et donc, du coup, ils ont un petit peu mal, au début, mal pris la construction de ce bâtiment qui les privait du terrain de foot. Donc, il y a eu quelques cocktails Molotov, quelques voitures béliers. Je vous le dis, parce qu'après, vous entendrez des choses et d'un événement, on dit ça s'est tout le temps produit. Non, il y a eu 2 attaques aux voitures béliers, quelques cocktails Molotov, mais ça, c'était en 2003-2004. Mais les gens, quand ils viennent, les gens qui emménagent à Pierrefitte, ils viennent, quelquefois, ils nous disent « Je suis pas sûre parce que j'ai entendu tellement de choses sur le collège qu'on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité. Hein, » ce qui est faux, alors certes, il y a des incivilités. Ça, c'est il ne faut pas le nier. Mais bon, C'est du classique. Les élèves savent qu'ici, tout le monde présent s'occupe de la vie scolaire. Nous sommes sur le terrain. Ils savent qu'une bagarre, c'est tout de suite sanctionné, quel que soit le responsable du déclenchement de la bagarre. Hein, donc, vous voyez un collège classique de Seine-Saint-Denis, donc qui ne se caractérise pas par plus de violence que d'autres. Ça y est, Charles-Édouard a les clés de toutes les salles de classe du collège. Dans quelques jours, il rencontrera les 6e. À l'autre bout de la France, c'est aussi la pré-rentrée pour Noéline. Bonjour Christine. Passez un bon week-end. Ça a été. Toi aussi ? Ouais, ça a été. J'ai réussi à me reposer un petit peu. La journée va être intense pour Noéline, qui va devoir organiser sa salle de classe, mais aussi s'occuper de ses responsabilités de directrice. Alors Josiane, sa mère, enseignante à la retraite, est venue l'épauler. Tu veux pas que je les mette plastifié comme ça et que je découpe après? Ils s'abîment, je trouve, quand on fait comme ça. On va les découper, on va les poser. Tout ça, et celui-là, okay. Par contre, est-ce que tu pourras penser, je l'ai dans mon bureau, mettre un petit coup de blanco, là, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure. Et tu en as du bureau, du bureau. Dans, ouais. Ça, c'est des tâches que je peux faire et qui soulagent quand même pas mal, parce que c'est des trucs, on se rend pas compte, mais ce sont des tâches qui prennent du temps. Ça n'empêche pas qu'elle soit dans ta classe. Bah non, j'y suis pas, moi. Mais non, mais tu dis autrement. Hein. Bon, quand elle bavardera trop, je vais dire.
vais accueillir dans ma classe 19 élèves. Alors, j'ai 6 CE2, 7 CM1 et 6 CM2. Donc, c'est à peu près équilibré. Avec ce double statut de professeur-directrice, Noéline se rend compte qu'il sera difficile de respecter les délais. J'espère que je pourrai tout faire, parce que j'ai toutes mes photocopies encore à faire. Pour le premier jour, celles qui sont à distribuer dans les classes. Donc un mélange entre celles de ma classe et celles de la direction. Est-ce que tout le monde a signé le CM2A, Clairvy? En cette journée de pré-rentrée à l'école Hermel, Bertrand Heuss, le directeur, anime les débats. Antoine et ses collègues ont de nombreuses questions à régler pour organiser la vie de l'école. À l'ordre du jour, l'accueil des enfants allophones. Les enfants allophones sont des élèves qui ne parlent pas français. Souvent réfugiés en France, ils ont l'obligation d'être scolarisés. Chers collègues, pour l'accueil des enfants EANA, donc enfants allophones nouvellement arrivés en France. Donc c'est un dispositif particulier à l'école Hermel qui permet à des élèves qui arrivent en France d'être accueillis dans une école pour apprendre le français, langue de scolarisation. Donc je vous donne la liste, je fais passer hein, la liste des élèves qui relèvent de ce dispositif. Il y en a 12. Et chez donc Antoine, il y a deux élèves. Il y a Gabriella, qui arrive pour la première fois en France, donc qui est accueillie dès demain. Et Yosman, qui lui, par contre, est à l'école Hermel depuis déjà un an. Donc évidemment, le niveau de langue n'est pas le même entre les deux. Alors, on va voir ensemble là aujourd'hui. Marie-Laure accueillera les enfants non francophones dans une classe spécialisée. Dès que leur niveau de français le permettra, Yosman et Gabriella intégreront la classe de CE1 d'Antoine. Quand ils ont un vocabulaire de base en maths, ils peuvent être intégrés en cours de maths. D'accord. Aussi. Okay. Bon, après, bien sûr, c'est toujours assez flexible et il n'y a pas de règle générale. Après, ça dépend. Alors, on fait un encart spécial. Vous avez eu cette feuille-là, qui est la feuille de l'organisation. Je vous la fais passer. Vous deux, Pierrefitte-sur-Seine, collège Pablo Neruda. En tant que professeur stagiaire, Charles-Édouard sera accompagné toute l'année par un tuteur, M. Bruno, lui aussi professeur d'histoire-géographie. Il effectue ce tutorat en plus de ses cours. Et ils envoient des fichiers d'activité aussi. Alors, ils vendent aussi des fichiers d'activité. Alors, c'est pas terrible parce que les exos dans les fichiers d'activité, c'est des exos déjà tout faits. C'est mieux de concevoir soi-même ces exos hein, parce que... on les adapte davantage au niveau des élèves. Mais par contre, ça sert et tout. Tu viens, tu te sers. Là, tu prends des cahiers d'exo, tu les regardes. D'accord. Donc là, cahier du citoyen, éducation civique. J'avais ça quand j'étais au collège. Voilà, il y a plein de textes de loi, de trucs. Tu y vas, tu te sers. Et là, faut vraiment... Charles-Édouard travaillera toute cette année sous le regard bienveillant de son tuteur. Monsieur Bruno a pour mission principale de faciliter l'intégration de Charles-Édouard. Il lui donne également des conseils sur la pédagogie à adopter avec ses élèves. Je pense qu'ils sont en demande de cadre. De cadre pédagogique, de cadre aussi disciplinaire. Hein. C'est-à-dire que... Ils demandent à ce qu'il y ait le calme dans les classes. Hein. Quand c'est le bazar dans les classes, les élèves ne sont pas contents. Hein. Ils disent « avec Madame Intel, avec Monsieur Machin, c'est le bazar, on ne travaille pas ». Ils ont tous intégré qu'on vient à l'école pour travailler. C'est une bonne chose. Ah oui, oui. Donc là, tu as les 6e B le mardi matin, tes 4e, on fait ça le jeudi, et sinon tu as les 6e E. Les 6e E, ils sont là, éventuellement je peux te voir le jeudi après. C'est possible pour toi, oui. D'accord. Les réunions s'enchaînent. L'ensemble des professeurs d'histoire géo débattent de l'organisation de l'année et du contenu des épreuves à venir. Les professeurs expérimentés disent-ils au passage quelques conseils à Charles-Édouard. Au début de l'année, effectivement, tu places l'ensemble des capacités qui sont attendues en 6e. Un élève doit être capable de maîtriser ces capacités-là. Ça représente sur chaque évaluation
enfin, je veux dire, un travail à faire en plus, une façon d'aborder nos évaluations complètement différente. Pour Charles-Édouard, ces réunions entre collègues sont importantes. La première approche de travail avec l'équipe, donc, ça permet d'avoir un aperçu sur le déroulement de l'année au niveau de l'ordre dans lequel on va enseigner les compétences tout au long de l'année, la mise en place des examens importants au cours de l'année. Donc oui, je pense que cette réunion est déterminante. Midi, l'heure de la pause a sonné. Antoine et ses collègues viennent se détendre en salle des maîtres, strictement interdite aux élèves. En ce jour de pré-rentrée, les professeurs et Bertrand, le directeur, évoquent le quotidien de leur métier de manière plus informelle. Excuse-moi. Sujet du jour, le partage des temps de surveillance des récréations. Mais à la limite, on pourrait faire que des temps de demi-service, hein, si on s'organisait bien. T'as le temps de te poser 5 minutes. Moi, j'aime bien le demi-service pour venir m'asseoir ici et parler au calme avec des adultes. Et pas parce que quand t'es toute la matinée, tout le temps... Tu verras l'année prochaine quand t'auras des CP. Ouais. Ah, parce que tu vas prendre un CP ? Mais non, mais je sais pas. C'est Nathalie qui a envie, je crois, quand tu prends un CP. Je pense qu'elle va avoir du mal. Passer du CM2 au CP, c'est vraiment très difficile. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. CP, CM2, t'as l'impression de progresser, c'est bien. J'ai peur que si je laisse mon CM2, mais encore, tu redescends. Waouh, ils savent à peine tenir un crayon, ils savent pas découper des feuilles. Ils savent pas. C'est pas le même boulot. Ouais, pas le temps de traîner pour Antoine. Car en ce jour de pré-rentrée, il a rendez-vous avec sa supérieure, Madame Emmanuelle Piévic, inspectrice de l'éducation nationale. Enchantée. Je voulais avoir un entretien avec vous parce que c'est un début d'année et vous débutez. Oui. Première chose, c'est votre légitimité à avoir ce poste. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes responsable de cette classe, on vous l'a confié, vous avez eu un concours pour avoir cette classe, et donc vous êtes tout à fait bien à votre place. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous savez demain ce que vous allez faire quand les enfants vont arriver ? Bah, je vais d'abord me déjà présenter. Oui, d'accord, mais dans votre tête, vous... Ah oui, oui, bien d'accord. Sûr. D'accord, oui, ok. Oui, mon cahier jeune dans le journal. D'accord, c'est déjà fait. Pour quelques semaines déjà, oui, oui. Ah oui, j'ai besoin de ça, que ce soit bien cadré pour justement voilà, savoir à peu près de quoi va être faite la journée et quel est le contenu. Oui, ça aide quand même à être un petit peu plus à l'aise, quoi. Bon, monsieur Guérin, je vous souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup. Et puis on se reverra, ben on se revoit jeudi soir. Oui. Puisqu'il y a la réunion. La réunion pour les stagiaires. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci de votre visite. En Bretagne, la pré-rentrée se poursuit dans l'effort. Noéline est toujours dans les préparatifs de sa salle de classe. Elle n'a toujours pas commencé son travail administratif de directrice. Ça avance. Je pense pas que j'aurai fini à 4h30. Mais ça avance. Ça fait partie du quotidien. On est tout le temps hors des heures scolaires. Moi, je sais que généralement, de l'école, je pars souvent vers 6h, alors que j'ai fini à 4h30. Et puis bah, j'aime bien partir aussi et que toute ma classe soit prête pour le lendemain. Pas laisser de bazar derrière moi. Noéline est méticuleuse. C'est elle qui a souhaité placer les enfants. Mais elle confie cette tâche importante à sa mère, toujours prête à l'aider. Comme ça, au début, je les changerai après. Là. D'accord. Et je te dis, les CM1, tu regardes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les 6 autres, c'est CM2. Voilà. On ne peut pas laisser les enfants rentrer comme ça, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, Noéline, la nouvelle directrice, peut enfin se consacrer à la gestion de son école et à ses missions administratives et sociales. J'ai eu une inscription dans la journée, donc il faut que je la comptabilise dans ma base élève. Donc les inscriptions se font même après la rentrée des fois.
bonjour à tous. Et vous vous en doutez, à la une ce matin, la rentrée. Terminées les vacances, l'heure du réveil a sonné, c'est la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves. Cette fois, il faut y aller, c'est la rentrée. Dernier préparatif dans une famille de 4 enfants. Et nous verrons comment les vies sont. Dans la plupart des collèges de France, les premiers élèves qui effectuent leur rentrée sont les 6e. Ils sont 166 élèves au collège Pablo Neruda à faire leur premier pas en tant que collégiens. Entrez, entrez. Bonjour. Bonjour. C'est le collège qui reprend vie, là. Oui. Ouais. C'est un moment important. Ah oui, c'est un moment important. Ça donne le ton pour toute l'année qui va suivre. Et puis ce sont des jeunes élèves, des nouveaux qui vont passer 4 ans au collège. Donc c'est important pour eux l'accueil, de voir comment ils vont être accueillis. Donc pour eux, c'est quand même un peu important. Bonjour madame. Intégrer le grand collège, c'est découvrir tout un nouvel environnement. Un bâtiment plus grand, plus de professeurs. Loin des repères de l'école primaire, devenir collégien, c'est apprendre à être autonome. Dans la cour, Charles-Édouard a rejoint M. Bascou, le professeur principal des 6e B. C'est l'occasion de présenter un peu ses méthodes, la quantité de travail qu'on veut faire. Voilà, ça ne dure pas trop longtemps. Si non, ça dure non, longtemps, on le fait plus tard. Non, moi j'ai juste... Lui effectue aujourd'hui sa 30e rentrée des classes. Tu t'es inscrite là ? Non, tu devras avoir ton nom. Ton nom de famille, ça commence par quel nom ? Par quelle lettre ? Un K ? Awa, hélas, mais ça va être si c'est pas toi. Voilà, c'est... Bah, c'est pas toi. Allez. Bah alors. Je suis demain, madame. Si c'est. Non, t'as pas oublié. Voilà, je suis Monsieur Bascou, je suis votre professeur principal, mais j'aurai l'occasion de présenter tout ça un peu plus tard. À Paris, pour Antoine, c'est aussi le grand jour. Pour cet ancien professionnel de la finance qui a décidé de changer de carrière, c'est l'heure de rencontrer les élèves. Merci, bonne journée. Mais à quelques minutes de l'ouverture des portes, il y a toujours quelques détails à régler. Bonjour messieurs, dames, les enfants. Il y a les drames, une petite fille qui découvre qu'elles ne sont pas ensemble, ou qu'elles sont ensemble, je ne sais pas. Pourquoi t'en vois qui pleure ? Je ne sais pas si elle pleure de joie ou de tristesse. Ça va, t'es pas stressée ? Bah si, mais bon, ça va vite se passer. Donc, vite. Mais tu vois, moi c'est ma 10e rentrée, je crois. Ouais. J'ai toujours un petit moment de... Ouais. Dès que tu mens comme ça, ça aurait été passé, non ? Non, c'est là que... Non, 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 il y a des fois, je suis toute rouge, les premières minutes, ça passe. Tu les connais pas, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est qu'à la fin de l'année, tu les connais pas, quoi, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, il suffit d'une semaine, tu les connais déjà. Ouais. Et là, tu sais même pas quoi elles ressemblent. Tu me dis que ça y est, c'est parti, enfin, justement, après tout ce long chemin... Pour y arriver, pour avoir une place, là, ça y est. À l'école Sainte-Anne, c'est aux aurores que Noéline arrive pour sa première rentrée en tant que directrice et enseignante. Un moment crucial pour bien démarrer cette année, où Noéline sera responsable de 79 élèves. Comment vous vous sentez ce matin ? Ça va, Je pense que j'ai hâte que tous les élèves soient arrivés et tout, que l'accueil soit passé. Pourquoi il y a un petit peu de stress pour l'instant ? Du stress, non, un petit peu d'appréhension. Un petit message de rentrée avec mes copains, mes copines avec qui j'étais en formation. Ça va ? Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Pas trop stressée ? Ça va. Pour la première ? Un petit peu. Hein. Bonjour à Noël. Bonjour. Alors ça c'est Lily Rose. D'accord, ok. Voilà. Un petit Lily Rose, il y en a deux, hein, c'est ça ? Oui, oui, oui.
t'appelles madame ou Noélie? Non, Noélie. J'avais... Je voulais. D'accord. Moi, j'ai dit à Simon, madame Hervé. Ici, c'est une tradition. Tous les ans, les parents organisent un goûter de rentrée. Des rentrées, c'est la deuxième vraiment que je fais. Hein. Mais jamais de rentrée de chef d'établissement. C'est la première. Est-ce que vous êtes du coin peut-être? Oui, bah, j'habitais au Vieux-Bourg, donc j'habitais d'accord. pas très loin. Et j'ai déménagé, là j'habite à Bringolot, donc c'est près de Châtelaudrin. Donc je suis du coin. Hein. Puis je connais toutes les écoles du secteur et tout. Donc, plus c'est une petite école, c'est sympa. C'est ce que je recherchais, hein. Vraiment, c'est ce que j'aime bien. Je trouve que c'est plus convivial, il y a plus de communication entre les familles et entre les enseignants et tout, je préfère. Les enfants, on va se mettre là-bas, on va prendre une photo. On y va? Hop. Devant. C'est pour quoi cette photo, Noéline? C'est pour le journal du coin, en fait, enfin du coin, le Ouest France. On est ici. Voilà, on va y arriver. Mmh. Oh, il est trop beau ton colis. On dit Miss Titi. Tout seul. Super. Merci les enfants. Mettez-vous peut-être à l'abri parce que là il y a un peu de. Il y a un peu de pluie quand même. Hein. Je serais mieux à l'abri. Charles-Édouard va rencontrer ses élèves de la 6e B pour la première fois. Le professeur stagiaire reste pour l'instant en retrait. Je vous en prie, asseyez-vous. Et c'est Monsieur Bascou, le professeur principal, qui se charge d'accueillir les élèves. Je suis votre professeur principal, professeur aussi d'éducation physique, et c'est moi qui suis l'adulte que vous devez contacter s'il y a un petit problème, hein, voilà, si simplement il y a des questions, en priorité. Voilà. Il y a des collègues profs avec moi, je vais vous laisser vous présenter. Oui. Donc moi, je suis Monsieur Laraki, donc je serai votre professeur d'histoire et de géographie. Voilà, donc bienvenue au collège, hein. C'est un tournant important pour vous parce que vous découvrez l'enseignement secondaire. Mais avec suffisamment de travail, de sérieux et d'assiduité, tout se passera très bien et vous franchirez le cap de la 6e sans aucun problème, j'en suis sûr. Charles-Édouard écoute et observe attentivement Monsieur Bascou. Une situation forcément riche d'enseignement. Sans le professeur expérimenté, j'ai bien aimé son discours. Le contact était bon et puis c'est sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est certain. Pour les 6e B, c'est l'heure de la distribution des manuels scolaires. Et comme les élèves, Charles-Édouard va lui aussi devoir s'adapter à son support de travail. On fait nos cours sans suivre forcément à 100% de manuel, donc c'est seulement un outil sur lequel on peut se reposer pour faire des exercices, trouver des exemples, des illustrations. Mais je ne l'avais pas spécifiquement étudié avant, je l'ai découvert hier à vrai dire. Bonjour tout le monde. Les élèves semblent heureux de reprendre l'école. Dans leur tête, les vacances sont déjà bien loin. Ils découvrent leur nouveau professeur. Pour Antoine, c'est aussi une première rencontre. Tu es en quelle classe? Alors tu es ici, tu te ranges avec ton camarade. On y va, merci. On se dépêche. Bien, alors, je me présente, je suis monsieur Antoine Guérin et je serai votre maître de CE1 pour toute cette année scolaire. Voilà, je vais vous l'écrire au tableau. Et ensuite, bien sûr, ce sera à vous de vous présenter. Vous sortez un feutre. Un gros feutre pour écrire bien gros, que je puisse lire de loin. Alors, vous écrivez votre prénom, s'il vous plaît. Lina l'a écrit trop petit. Tu peux m'écrire ça beaucoup plus gros, que je puisse bien le voir quand je suis au tableau. En classe de primaire, les premières heures de cours sont souvent consacrées à la préparation des cahiers.
Au programme, collage et étiquetage, Antoine ne déroge pas à cette règle immuable. J'aimerais bien que vous fassiez un petit peu de silence pour monter, ce serait plus agréable. Bonne journée aux parents. En Bretagne, c'est l'heure de monter en classe pour Noéline et ses élèves. Maintenir la discipline dans une classe multiniveau n'est pas une chose évidente. Alors Noéline doit s'imposer dès les premières minutes. Et dis donc ! Non, non, alors là, ça commence pas très bien, je trouve. Donc on se calme et on s'installe correctement. Bah merci, c'est gentil, c'est de votre part. Bah dis donc, merci beaucoup les filles, c'est gentil. Ouais, c'est un cadeau. Oh, moi je trouve que les CE2, ils sont un petit peu énervés. Vous trouvez pas? Oh, je crois que je vais me régaler. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous avez passé des bonnes vacances? Oui. Ouais. Ah non. Non, on ne dit pas ouais, on dit oui. D'accord? Théo. Théo, d'accord? J'aimerais bien qu'on fasse un petit tour pour que chacun me dise comment il s'appelle. D'accord? Tu commences? Mathis, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Jean-Michel. Jean-Michel. Ouais. Ça y est, Noéline a fait connaissance avec ses 19 élèves. Et l'année s'annonce propice au travail. C'est le cahier de quoi ? Correspondance. De correspondance. Alors, pour l'instant, t'es toute seule derrière, mais ça veut pas dire que tu vas rester toute seule là. D'accord ? Cette page que je vous donne, vous la collez ici, sur la première page. D'accord ? On écrit avec son stylo encre, si on en a un. Voilà. Alors, le cahier orange, c'est quoi? J'ai même pas entendu parce que là, il y a un tout petit peu trop de bruit. Le cahier d'éveil à la foi. Ou alors, moi, j'ai écrit, c'est la même chose. J'ai écrit culture religieuse, d'accord? C'est la même chose. Allez plutôt autour. S'il n'y a plus de place autour, vous irez au milieu, forcément. Charles-Édouard, Noéline et Antoine ont rencontré leurs élèves pour la première fois. Dans quelques instants, place à l'enseignement et au premier cours de ces jeunes professeurs. Allez plutôt autour. S'il n'y a plus de place autour, vous irez au milieu, forcément. Charles-Édouard, Noéline et Antoine viennent d'effectuer leur rentrée. Ils s'apprêtent maintenant à donner leur premier cours de cette nouvelle année scolaire. À Pierrefitte-sur-Seine, au collège Pablo Neruda, Charles-Édouard va donner son tout premier cours aux élèves de 6e B. Il est maintenant livré à lui-même. Alors, un seul mot d'ordre, imposer la discipline dès le début. Alors vous attendez avant de rentrer dans la salle. Vous allez rester debout à côté de votre table. Et c'est moi qui vous dirai de vous installer. Bonjour. Allez plutôt autour. S'il n'y a plus de place autour, vous irez au milieu, forcément. Je vous en prie. Donc, je suis Monsieur Laraki. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mais il me semble qu'on s'était déjà vu une fois, lors de la pré-rentrée. Quant à moi, je ne vous connais pas du tout. Donc, je vais faire l'appel. Et vous répondez tous présents, d'accord? Il n'y a pas de oui, pas de ouais, pas de je suis là, juste présent, ça suffira. Rogine. Absente. Fédi. Et Alma. D'accord. Très bien. Face aux élèves, les débuts de professeur stagiaire de Charles-Édouard sont quelque peu hésitants. C'est le moment choisi par Monsieur Bruno, son professeur référent, pour venir l'observer. Tout le monde regarde vers moi, s'il vous plaît. Donc, dans l'idéal, il faudrait que tout le monde prenne un gros cahier ici, celui-là fait 192 pages. Si tout le monde peut en avoir un de 192 pages, ça serait vraiment très bien. C'est même obligatoire. Oui,
Vous devez tous avoir un cahier de 192 pages. Tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là rapportent un cahier de 192 pages. L'école primaire est déjà loin pour ces élèves de 6e qui vont devoir intégrer les règles d'une classe de collège. Charles-Édouard leur rappelle les fondamentaux. Il y a une seule solution, lever la main. Toute personne qui parlera sans lever la main, je l'écouterai même pas. Je ferai comme si elle n'existe pas. Si elle recommence, là, elle va vraiment exister. Et le mot dans le carnet aussi, lui, va exister. D'accord ? Donc la prise de parole, en levant la main automatiquement, il n'y a que comme ça qu'on peut communiquer. Que sinon, on ne s'entend plus. Si tout le monde parle en même temps, c'est impossible. La prochaine fois que Charles-Édouard retrouvera sa classe de 6e, ce sera pour un cours d'éducation civique. OK ? Bon, à tout à l'heure. À Paris, à l'école Hermel, sous le regard bienveillant d'Antoine, les élèves de la classe de CE1 poursuivent la préparation des cahiers. Tu le colles là, et tu recolleras l'étiquette à l'endroit plus tard, d'accord ? S'il vous plaît, merci. On m'écoute. Le dernier à coller, courage, on est bientôt au bout. Ah, c'est la récréation. Alors, je vous le distribuerai. Vous laissez tout ça comme ça et on finira après la récréation. Je vous le donnerai après la récréation. Pour sortir en récréation, il faut d'abord être silencieux. Pas besoin de sortir ton ballon à l'avant, Samuel. Est-ce que c'est bien compris de tout le monde ? La table de Yosman, vous pouvez y aller. La table de Mahmoud, vous pouvez y aller. La table de Madeleine, vous pouvez y aller. Doucement, doucement. En Bretagne, à l'école Sainte-Anne, c'est aussi l'heure de la récré. Si Noéline surveille du coin de l'œil ses élèves, elle profite aussi de ce temps pour se confier à Céline. On était 5 minutes en retard, parce que le temps qui m'explique comment ils faisaient avant pour sortir... Oui, voilà. Ah bah ouais, hein, vraiment... Les CM sont vraiment nickel. Ah ouais. Les CE2 sont un petit peu remuants. On a pas tous suivi CM1, les CM2 sont endormis. Bah là, franchement, ils étaient nickel. Hein. C'est bien. En ce jour de rentrée, la jeune directrice continue d'observer et d'apprendre. Bon, allez, on va aller. Ouais. Comment vous vous frappez des mains. Alors par contre, les grands, s'ils continuent de jouer au ballon, alors que t'as frappé dans les mains, ils les confisquent pour la récréation suivante. D'accord, ok. Il faut peut-être les prévenir avant. Ouais. Mais on va reparler de toute façon de tout ça. Ouais. Bah, c'est très bien, je trouve. C'est stop. Oui. Les filles, est-ce que vous voulez bien ramasser les gilets, s'il vous plaît? Non. Ah, je sais qui c'est. Erwan, pense à ton gilet derrière toi. Allez, hop, on laisse les sœurs. Tout le monde se range correctement ? À Paris, dans la salle de classe, les CE1 montrent des signes d'impatience. Antoine décide de laisser les cahiers de côté pour se consacrer à l'apprentissage d'une poésie. Alors, je vous le lis une première fois. Cartable nouveau, joli manteau. Livre, cahier et beau plumier. Cloche à sonner, un gros baiser. Il faut y aller, c'est la rentrée. Quel mot vous semble compliqué dans ce poème? Est-ce que vous vous souvenez? Beau plumier. Plumier, c'est un mot que tu ne comprends pas? D'accord. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer? Madeleine. C'est comme un stylo qu'on
Oui. Avant, exactement. Ce que ça décrit ici, un plumier, c'est un vieux stylo qui permettait de d'écrire avec de l'encre. Est-ce que vous voyez sur vos tables, le trou que vous avez sur ces tables, qui sont très vieilles? Oui, Madeleine? Exactement. D'accord. Ah oui, c'est des vieilles tables, oui. Elles sont bien plus vieilles que vous, les tables. Cartable nouveau. Joli manteau. D'accord. Cloche à sonner. Il faut y aller. C'est la rentrée. Très bien. Maintenant que vous le connaissez, je vous le distribue et vous pouvez le lire au moins deux fois, silencieusement. Vous lisez le poème dans votre tête, chacun pour vous, d'accord? Ça veut dire sans bruit. C'est bien, je vais attendre. Au collège Pablo Neruda, il est temps pour Charles-Édouard de tirer un bilan de son premier cours. Monsieur Bruno, son tuteur, se veut positif. C'est pas l'oral du CAPES. Je vais commencer par plein de choses qui sont positives. C'est très bien de rappeler les règles en début d'année, aussi bien de matériel que de comportement, de regarder les emplois du temps avec eux, parce que c'est quelque chose qui n'est pas familier pour des sixièmes, hein, même s'ils sont mis. Tu forces pas ta voix, tu as une bonne posture, tu regardes la classe, tu circules dans la classe, ça c'est bien, parce que les profs, ils ont tendance, parfois, pas tous, hein, mais à rester un peu claquemurés derrière leur bureau. Tu verras que généralement, une consigne, ça doit être dit, marqué, répété. Enseigner, c'est répéter. Même sur des questions purement organisationnelles et surtout avec des sixièmes. Après les remarques positives, M. Bruno énumère à Charles-Édouard les points à améliorer. Il lui rappelle l'importance des consignes à donner à ses élèves. Lors de son cours, le jeune stagiaire s'est montré trop hésitant sur la question des fournitures scolaires. En plus, tu changes en cours de route. Il y en a une qui finit par avoir son cahier de 140. Tu dis, ah, bon, 140, j'accepte. C'est là que j'ai compris, je me dis, 82, c'est peut-être beaucoup. Voilà. Elle a compris, mais t'as peut-être d'autres cahiers de 140 qui étaient rangés. Mais c'est pas grave, ce que je te dis, c'est des petits trucs organisationnels auxquels tu ne peux pas avoir pensé parce que tu commences. Ouais. C'est des trucs qui t'échappent complètement, logiquement. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire. Je vais garder les notes que je prends au fur et à mesure. Oui, oui. Donc, t'as vu, j'ai essayé les trucs positifs, je les ai soulignés en bleu. Bon, voilà. Très bien. À l'occasion de ce premier cours, Charles-Édouard a pris du plaisir. De quoi aborder sa nouvelle vie de prof sereinement. Ça m'a plu parce qu'ils étaient, ils avaient l'air intéressés, ils étaient plutôt attentifs. J'ai l'impression que c'est une bonne classe. C'est ce que les collègues disent des 6e B, c'est une bonne classe. Et ça s'est vérifié aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce qui m'attend au cours de l'année, hein, quand on fera de l'histoire, de la géographie. Là, l'éducation civique, en général, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vu que c'est très interactif, c'est des choses qui leur parlent, qu'ils ont vécu, contrairement à l'histoire. Pour moi, c'est prometteur quand même. En Bretagne, pour Noéline et ses élèves, c'est la dernière heure de cette longue journée de rentrée. L'occasion pour la maîtresse d'établir les clés du comportement. Il y a 5 clés, d'accord? Et si on arrive à toutes les garder vertes, les 5 clés, ça veut dire que les portes de la réussite sont ouvertes. Ok? C'est quoi le but alors? Arwen? D'avoir 5 clés vertes. 5 clés vertes. Pour que les portes s'ouvrent. Voilà. On lit ensemble le petit livret? Je vous le distribue. Là, tiens, Kylian, tu vas commencer, tu vas lire la première phrase. Le tableau ou les clés de comportement sera rempli chaque vendredi par votre enfant. Par votre enfant. Parce que le livret, vous allez le montrer à papa et maman, d'accord? C'est pour ça que ça s'adresse à papa et maman. Il y a un tableau, là, d'accord? Et le vendredi soir, moi, je vous dirais, par exemple, s'il n'y a pas eu de croix chez les CM1, par exemple. Je dis, ben, tous les CM1, là, vous avez tous les clés vertes. Et donc, vous prendrez votre crayon de couleur et vous colorierez pour la semaine là, il y a les clés vertes.
pouvoir ouvrir la porte de la réussite, il faut 5 clés. La clé de l'écoute, la clé du respect, la clé du travail, la clé du soin, la clé du temps et de l'espace. Alors, là, vous allez me poser des questions si vous voulez, parce que peut-être qu'il y a certaines clés, vous ne comprenez pas trop à quoi elles servent. Zachary. C'est la clé du temps et de l'espace. Alors, la clé du temps et de l'espace, c'est quand, par exemple, on arrive en retard, ou quand on se déplace en classe. D'accord ? Je vous laisse une ou deux minutes pour colorier vos clés. Vous les coloriez proprement au crayon de couleur. Tu ne dois pas couper la parole. Allez, on y va ? Oui. On va, bonne soirée, à jeudi. À jeudi. Merci. À jeudi. À jeudi, Louise. À jeudi, Arwen. Hop là, où vas-tu? D'accord. Tu attends maman. Elle n'est pas sortie, maman, encore. L'école est finie, les élèves sont partis. C'est enfin l'heure pour Noéline de se consacrer à son travail de directrice. À Paris aussi, cette première journée avec les élèves s'achève. Même si la cloche a sonné, pas question pour Antoine d'accepter que ses élèves relâchent leur attention. Vous rangez le cahier du jour dans les casiers. Dépêchez-vous! La table de Lou, vous pouvez y aller. Vous rangez ici, vous ne bougez pas. C'est bien compris? Tous les 5. Hein. Avec la réforme des rythmes scolaires, certains élèves restent à l'école pour suivre différents ateliers. Les autres rentrent chez eux. En ce jour de rentrée, pour quelques élèves, il est difficile de se souvenir des instructions des parents. Tu avais dit que tu avais un atelier, c'est pour ça, c'est ça que tu voulais me dire? Hein, Maxence? C'est pas grave, c'est pas grave du tout, Maxence, c'est pas grave. Il y a eu un petit... Il savait plus s'il allait à l'atelier ou pas. Tu vois, Maxence, c'est pas grave. Ah, il est chagriné parce qu'il m'a menti, il dit qu'il m'a menti, parce qu'il a pas dit le bon horaire. Mais... c'est pas grave du tout. Qui vient te chercher? C'est ma mamie. Ta mamie? D'accord. Elle est là, ta mamie. Tu la vois, ta mamie, là? Ah bah, montre-toi, il faut qu'elle te voie. En fait, tu y vas, d'accord. Alors, tu vas te ranger avec les autres. Juste là, hein. À gauche, comme ce matin. Au calme, dans sa salle de classe, Antoine se souvient de son stage de formation. Je suis surpris par le niveau, en fait, parce que j'avais des CM1 l'an dernier, et 2 ans à cet âge-là, c'est une grosse différence, quoi. Donc dans l'autonomie et dans la mise au travail, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, il va falloir que je m'adapte, que eux s'adaptent à moi aussi un petit peu et que je m'adapte à eux. Le travail de professeur d'histoire-géographie ne se limite pas au collège Pablo Neruda. C'est dans un café parisien que Charles-Édouard met la touche finale au travail de préparation de son cours d'éducation civique. Le professeur stagiaire a besoin de se concentrer, histoire de ne rien oublier lorsqu'il sera face à ses élèves. Là, je prépare mon tout premier cours d'éducation civique, parce qu'en 6e, on va commencer par ça, l'éducation civique. C'est un cours qui porte sur le collégien. La vie au collège et sur l'éducation et la scolarité en France. Il y aura des exercices à partir d'une vidéo, par exemple, où ils devront répondre à des questions, des images à commenter. On fera ça tous ensemble dans la classe en cours dialogué. Et je pense qu'en éducation civique, c'est très important de faire participer au maximum les élèves dans le débat. Il ne s'agit pas de faire un cours magistral,
S'il y a vraiment une matière qui se prête au débat et à l'échange, c'est bien l'éducation civique. Même s'il ne donne que 9 heures de cours par semaine, Charles-Édouard devra fournir un énorme travail de préparation tout au long de l'année. Cette année, je suis à mi-temps. En fait, je fais une mi-temps au collège et le reste du temps, je suis en formation. Donc c'est vraiment cette situation un petit peu hybride entre la formation théorique et l'exercice pratique du métier. Pour aller au-delà du sens commun qui est que le professeur ne travaille que 18 heures par semaine, c'est absolument faux vu qu'il y a tout le travail en amont à la maison, les corrections, les préparations. En Bretagne, cela fait quelques jours que Noéline a pris la direction de l'école Sainte-Anne. Dans la cour, ses élèves ont appris à rejoindre la classe sagement. Pour Noéline, qui a une classe de 3 niveaux, il faut savoir organiser des activités communes. Hop, je vais vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que vous avez vu que j'ai écrit quelque chose au tableau? Alors, qu'est-ce que c'est? On lève le doigt. Evan, c'est une dictée. On va avoir une fois dans la semaine une dictée qu'on va préparer en classe. On va faire 3 groupes. Il y aura le groupe orange, le groupe rouge et le groupe marron. D'accord? Tout le monde fera la même dictée. Les CE2, les CM1 et les CM2. Ceux qui seront dans le groupe orange auront moins de phrases à préparer. Donc c'est normal si les CE2 sont dans le groupe orange. D'accord? Puisque vous êtes plus petits. Un chasseur est à l'affût. Point. Il guette le moindre bruit. Point final pour les CE2. Donne-le-moi le balai, s'il te plaît. Donne-moi un balai. Attention, attention, stop. Il est tout en haut, là. Il est là. Là. Je le vois. C'est pas parce que j'ai des lunettes que je vois pas, là. Noéline est à l'aise dans sa nouvelle école et commence même à s'imposer comme directrice. Vous n'oubliez pas vos gilets. J'en vois un là et là là-bas. C'est bien, elle a un peu de ballon. Comment elle s'appelle, super directrice alors? Comment elle s'appelle? Noéline. Ah. J'ai frappé des mains quand même. Attention, vous avez aussi vu le terme de différence. Justement, il y a une différence entre inégalité et différence. Vous me suivez? La différence, par exemple, Monsieur Topal a un t-shirt bleu clair, Monsieur Laraki a un t-shirt noir. C'est une différence. Et ça ne fait pas, pour autant, une inégalité. L'inégalité, c'est quand quelqu'un est désavantagé. Charles-Édouard est plus détendu pour sa deuxième rencontre avec ses élèves de 6e B et tire bénéfice de son travail de préparation. Il est prêt. Donc c'est un petit film qui dure 2 minutes, hein, c'est très rapide. Et vous allez répondre aux questions que je vous distribue. C'est parti. Nous nous rendons maintenant en Inde où des enfants de la ville de Siliguri aident leur famille vivant en dessous du seuil de la pauvreté à subvenir à leurs besoins. Nos parents ne peuvent pas nous enseigner et nous envoyer à l'école parce qu'ils sont payés beaucoup moins ici, dans les champs de thé. C'est pourquoi ils nous envoient travailler ici. Les propriétaires de jardins de thé tirent profit du travail des enfants. Alors, quelqu'un va me lire la première question. Alma. Pourquoi ne vont-ils pas à l'école ? Alors, Alma, pourquoi ne vont-ils pas à l'école ? Parce que leurs parents sont trop pauvres. Leurs parents sont trop pauvres, tout à fait. Entre chaque partie, on saute toujours une ligne. Donc ça, c'est pas possible. D'accord.
Tu mettras du blanc chez toi. Enfin, dans tous les cas, il faut commencer ici, dans la marche. Donner l'envie d'apprendre à ses élèves, voilà l'une des marottes du métier de professeur. Avec sa classe de 6e B, Charles-Édouard y est parvenu. Quand vous avez terminé, vous rangez vos affaires dans le calme, bien entendu. Allez, au revoir. Bon. Je crois que j'ai cours. Pardon ? Ouais. Quelques jours après la rentrée, l'école Hermel a trouvé son rythme de croisière. Antoine semble à l'aise dans sa classe. À l'étage, Gabriella et Yosman, les deux élèves non francophones d'Antoine, sont avec Marie-Laure, la professeure chargée de leur apprendre le français. Depuis la rentrée des classes, Gabriella a déjà bien progressé. Allez, on va trouver quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Gabriella ? Un cahier. Un cahier. Elle peut faire comme... Ah, oh, qu'est-ce que c'est, Gabriella ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Un livre. Allez, Yosman, on se voit. Oh, no. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce cartable. Que c'est? Le cartable. Où c'est écrit cartable? Assis, et on écoute Alexandre. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Gabriella, car pour la première fois, elle intègre la classe d'Antoine pour un cours d'éducation physique et sportive. Antoine sera l'assistant d'Alexandre, le prof de PS. Donc, je lance la balle avec la main droite, je la rattrape avec les deux mains. C'est avec un rebond. Donc, ce sera dans la cour que vous ferez ça. Je lance un rebond, je rattrape. Dans la cour, Antoine affiche les consignes et les objectifs de l'activité. En grand sportif, il est convaincu de l'importance de l'éducation physique et sportive pour les enfants. Ils ont commencé dès la maternelle, mais c'est vraiment de développer leur capacité motrice, finalement. Améliorer leur coordination, leur permettre de comprendre ce qui va ensuite les amener à pouvoir, notamment en athlétisme, courir vite ou longtemps, sauter, lancer, tout ce qui est lancé, etc. Donc on commence par des jeux de ce qu'on appelle le parcours moteur, comme ça. Allez, calmement, on se lève, on sort en marchant et on commence à trottiner à la vitesse tortue. Donc là, c'est juste, ils vont faire pas chasser, cloche-pied, etc. Mais toi, si tu peux tourner pour voir juste si déjà ils comprennent les consignes de roulement. D'accord. Allez, on fait pas chasser à droite. Pas chasser à droite. Elle est où, Gabriella ? Viens voir, Gabriella, viens voir. Droite, gauche, droite, gauche. D'accord ? C'est où à gauche ? Gauche, c'est où ? Oui, d'accord. Donc, cloche pied gauche. Et on y va. On saute sur le pied gauche. Le droit, Milo. Pied droit. Le gauche. Non. Après. Le gauche. Le gauche. Gauche. Alexis, gauche. Alors, Gabriella, on prend la balle, main droite. C'est pour ceux qui écrivent de la main droite. Je lance contre le mur. Un rebond, j'attrape à deux mains. Vas-y. Ouais, c'est bien, Gabriella. Ah, tu veux montrer, Alexandre ? Vas-y. D'accord. Non, ça va pas. C'est pas la bonne jambe. Non, là, c'est la jambe droite que tu passes. Il faut passer la jambe la plus près. Voilà, d'accord, très bien. Vas-y, Davidson, à toi. Il y a 4 ans, Antoine décidait de quitter le monde de la finance et Londres pour commencer une nouvelle carrière professionnelle. Aujourd'hui, il a vécu sa première rentrée des classes et semble heureux de son choix. Ok, et on recommence au 1. Quand j'avais 22 ans et que j'arrivais dans une salle de training, je me disais, c'est ici que ça se passe. Cet endroit a une influence sur le reste du monde. Quand je rentre dans une salle de classe, aujourd'hui, je me dis, c'est ici que ça se passe. Je me vois plus aujourd'hui dans la transmission de connaissances, de compétences que dans un échange de marché.
Noéline vit pleinement son rôle de directrice et de professeure à l'école Sainte-Anne. Un choix professionnel qui rythmera sûrement sa vie encore longtemps. Dès qu'on voit qu'il y a un déclic avec un élève qui a compris quelque chose, qu'on lui a transmis, qu'il a fait des progrès, enfin vraiment, là, la satisfaction, elle est immense. Pour se détendre, plusieurs fois par semaine, Charles-Édouard court sur les bords du canal de l'Ourcq à Paris. Après une semaine de cours, c'est déjà l'occasion de faire un premier bilan. Très positif et surtout beaucoup de curiosité, envie de savoir comment l'année va se passer. Je pense que je vais vivre plein de choses cette année et j'en ai déjà vécu pas mal cette semaine. Je suis conscient de la chance que j'ai d'aller vraiment dans le travail que je rêvais de faire et de réussir à exaucer les rêves que j'ai depuis longtemps.